Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau rendez-vous du 7-8 Société. Dans ce magazine, nous débattons, discutons et réfléchissons sur les sujets qui font l'actualité. En 2016, un reportage de Complément d'enquête magazine de France 2 révélait que près de la moitié des sportifs partant aux Jeux Olympiques de Rio vivaient avec moins de 500 euros par mois, des athlètes non rémunérés par leur fédération et pourtant pourvoyeurs de résultats, voire de médailles. Une loi en 2015 leur a donné un statut juridique et des collectivités les soutiennent parfois financièrement. Alors pourquoi cet engagement? On en parle avec nos invités. Laurent Mazzori, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vice-président délégué au sport de Saint-Quentin-en-Yvelines, Dominique Modeste, bonsoir. Alors, je ne sais pas si le maire adjoint délégué au sport de la ville de Plaisir-Montant. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et Lionel, je vous en prie. Et Lionel Vaste, bonsoir. Bonsoir. Le maire de la ville d'Andrézy. Alors, avant que nous échangions tous les quatre, je vous propose qu'on regarde un sujet. C'est une liste non exhaustive d'athlètes soutenus par les collectivités qu'ils aient déjà participé aux Jeux, comme les derniers qui ont lieu à Tokyo, ou qu'ils représentent l'avenir de l'équipe de France. Regardez. Laurent Mazzori, je vais commencer avec vous. Donc Saint-Quentin-en-Yvelines, on l'a vu dans le sujet, a soutenu 4 athlètes de 3 sports différents. Est-ce qu'il y a eu une sélection pour ces soutiens? Alors, Saint-Quentin-en-Yvelines, de par les statuts qui sont les nôtres et nos compétences, nous avons une forme de soutien qui est automatique en ce qui concerne le haut niveau et dont nous nous exprimons stricto sensu dans ce qui a été délibéré par les élus dans ce cadre-là. Il faut savoir qu'en 2021, au total, nous avons versé plus de 310 000 euros de subventions au titre du haut niveau. Donc, vous voyez que ce sont quand même des sommes qui sont conséquentes pour un territoire comme le nôtre, avec un total complet, pour être absolument exhaustif, de 47 sportifs qui ont été soutenus, le tout dans plus de 17 clubs saint-quentinois. Vous voyez que c'est très, très important et on se réfère tout simplement aux listes qui sont éditées par le ministère des Sports et qui classent les sportifs de haut niveau en 4 catégories essentielles que vous connaissez certainement, les espoirs et les collectifs nationaux, ce qu'on appelle la relève, les seniors et l'élite. Et se rajoute à cela un certain nombre de soutiens supplémentaires en fonction des sélections effectivement qui ont lieu pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et on retrouve là les 4 sportifs que vous citez, dont d'ailleurs, je tiens à le rappeler, a eu une médaille de bronze. Et donc, vous voyez que le soutien s'exerce à la fois dans un cadre strict choisi par les élus, mais également avec une adaptation sur ces sportifs-là quand ils sont sélectionnés pour concourir aux Jeux Olympiques. Et je pense que ça sera le cas d'ailleurs pour les JO de 2024. C'est un soutien purement financier? Ce sont des infrastructures qui sont mises à disposition? Une aide d'un autre genre peut-être? Alors évidemment, vous avez raison de le souligner, quand on a des infrastructures qui permettent de les mettre à disposition, c'est fait, à travers entre autres les fédérations. Évidemment, bien sûr, de manière très emblématique, je citerai le Vélodrome National, qui sert d'entraînement, là pour le coup, aussi bien aux équipes d'ailleurs de Saint-Quentin qu'aux équipes nationales, qui s'entraînent de fait au Vélodrome National, mais c'est également valide pour le golf. Entre autres, on va très bientôt inaugurer tous ensemble l'École nationale de golf, qui accueille l'ensemble des golfeurs en devenir français, et de fait, saint-quentinois. Après, bien sûr, il faut avoir des infrastructures pour permettre ces différents perfectionnements, ce cheminement du haut niveau, que ce soit pour les JO ou pas pour les JO. Et là, c'est un travail que l'on fait avec tous les élus de Saint-Quentin
entre autres sur la partie investissement, c'est-à-dire de financer les investissements qui répondent aux attentes du haut niveau. Mais ne l'oublions pas aussi, le haut niveau, c'est ce qui tire la pratique amateur et le sport santé. Et donc, on fait toujours un équilibre entre cette volonté de perfectionnement du haut niveau, mais comme emblème et comme soutien et comme élément moteur pour le sport du quotidien, le sport de l'ensemble des Saint-Quentinois. Lionel Vast, votre soutien, lui, a été vers un parabadiste, Meryl Lockett, qui est parti aux Jeux paralympiques de Tokyo. C'est un jeune Andrésien de 24 ans. Comment vous en êtes venu à le soutenir ? Alors déjà, nous, on n'est pas une communauté urbaine de 230 000 habitants comme Saint-Quentin-en-Yvelines. Hein. On est une modeste ville de 13 000 habitants. Donc, on fait avec nos moyens. Alors, c'est sûr que notre avantage à nous, c'est comme on est quand même beaucoup moins nombreux, on décrypte très facilement et rapidement nos sportifs de haut niveau. Et en l'occurrence, oui, voilà, nous avions un champion de France de para-badminton, champion d'Europe de para-badminton, et qui a donc été qualifié et qui est parti aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, nous avons été amenés à lui proposer une subvention pour l'aider dans son voyage à Tokyo, parce que les sportifs paralympiques ont encore plus de difficultés en termes financiers, en termes logistiques, en termes d'accompagnement. Donc, on lui a fait une subvention avec nos modestes moyens de quelques milliers d'euros. Et nous l'aidons aussi par nos infrastructures sportives. On a notamment une très belle infrastructure sportive, le complexe Diagana, dans lequel on lui avait réservé des créneaux d'entraînement avant de partir aux Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, j'imagine que c'était peut-être presque salutaire pour lui, juste avant que les JO pardon, soient décalés d'un an en raison de la crise sanitaire. Les athlètes ont vu de nombreuses compétitions s'annuler, des salles fermées. J'imagine que peut-être pour Meryl Lockett, l'échange était de « est-ce que je peux utiliser pour continuer à me maintenir aussi en forme ?» Tout à fait. Pendant le confinement, il a été un des rares sportifs à pouvoir encore accéder à tous les équipements de la ville, et notamment… dans le gymnase. Donc, ça lui a permis effectivement de continuer son entraînement. Alors là, on a parlé d'athlètes qui ont fait les titres des journaux, que ce soit locaux, nationaux. Le sport, ça commence aussi très tôt. Il faut les soutenir souvent très longtemps à l'avance et à plaisir. Le soutien est allé avec une jeune gymnaste, elle s'appelle Maëlys Laporte. Elle a 15 ans, elle est licenciée au GRL en Courmorpa. Elle s'entraîne à l'INSEP et en équipe de France. Dominique Modeste, il faut aussi se tourner vers l'avenir. Ah, tout à fait. Il faut les soutenir. Dès le plus jeune âge, tous ceux qui sont repérés, qui sont potentiellement porteurs de performances, il faut vraiment les soutenir. Et lorsque les parents de Maëlys, puisque c'est une jeune athlète, sont venus nous voir, nous avons été heureux de les recevoir et de pouvoir les aider, puisque la ville de Plaisir a signé une convention avec Maëlys Laporte, qui a intégré l'INSEP au mois de septembre dernier et qui, nous l'espérons tous, accédera à l'équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques qui seront chez nous. Et la ville a décidé donc de la soutenir. Pour nous, c'était une évidence. C'est un soutien financier pour vous aussi, c'est un soutien d'infrastructure. L'INSEP, c'est pas à côté non plus. Comment ça s'organise ? Alors, c'est un soutien essentiellement financier, hein, puisqu'elle elle a intégré l'INSEP et, en fait, elle suit une formation, c'est très, très strict. Nous l'aidons financièrement, parce que son parcours à l'INSEP est assez onéreux. Ça, on ne le sait pas trop, mais tout à l'heure, vous avez parlé des sportifs, mais beaucoup de sportifs, et justement... De faibles rémunérations dont ils pouvaient bénéficier. Et ça a un coût qui est assez important. Et bien sûr, il faut les aider. D'ailleurs, vous avez parlé des villes, des collectivités territoriales qui les aidaient, mais il y a aussi des administrations, parce que je pense à la gendarmerie et à la douane aussi, qui ont des sportifs, qui ont intégré des sportifs au sein de leurs administrations. Oui, l'armée a son équipe des champions, parmi lesquels Martin Fourcade, qui est le nom le plus célèbre qui me vient à l'esprit sur le moment. Quand on vous entend, c'est surtout un appui financier.
c'est presque un paradoxe que les sportifs de haut niveau, c'est leur métier actuellement, même s'ils sont amateurs. À vous entendre, les collectivités doivent les aider. Je ne sais pas qui veut se lancer. Monsieur Mazori, peut-être ? Oui, mais il y a pas. Il faut être très très clair. Si on veut avoir du sport de haut niveau, il faut que ton sportif de haut niveau soit dans des conditions mentales et techniques et au quotidien de soutien complet. Sinon, aucun sport, et d'autant plus quand ce sont des sports individuels, ne peuvent permettre de le pratiquer et de s'entraîner s'il n'y a pas des soutiens et en moyens et en matériel. Parce que le sportif, il doit être concentré exclusivement sur la performance, et plus que tout autre, il ne doit pas avoir à psychologiquement intégrer des contraintes extérieures qui viendraient nuire à ses performances. Et en cela, les collectivités territoriales, et M. Modeste a raison de le dire aussi, je pense aux administrations, mais aussi aux entreprises privées, hein, qui bien souvent soutiennent les sportifs, sont essentielles à créer un écosystème du succès pour que le sportif soit tourné vers son sport et qu'il n'ait pas les soucis du quotidien. Vous savez, parfois, c'est très compliqué pour un sportif, même de très haut niveau, d'organiser un déplacement sur le lieu où a lieu la compétition. Il faut pouvoir l'aider dans son transport, il faut pouvoir l'aider dans son hébergement sur place. Bien ça, s'il n'y a pas effectivement aujourd'hui et des entreprises et des collectivités territoriales derrière elle ou lui, il ne pourra pas le faire. Et c'est valable, bien entendu, de la même façon pour le handisport. Si demain nous ne soutenons pas une sportive, je pense à Cécile Sabourot par exemple, à Saint-Quentin, eh bien probablement que Cécile sera en difficulté pour faire les performances qu'elle est en possibilité de faire pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Et cela, c'est valide sur tous les niveaux de sport. Ça marche aussi sur le sport par équipe, par exemple. On n'en parle pas assez, mais on a aussi des équipes, je pense d'ailleurs, et je salue mes amis de plaisir pour la partie rugby, on a aussi des grands clubs sur nos territoires. Si on ne soutient pas ces sports par équipe, Saint-Quentin, c'est plus de 113 500 euros de subventions financières, eh bien, nos équipes ne seront pas, pour le coup, c'est le cas de le dire et sans jeu de mots, au niveau. Lionel Vast, est-ce que quand vous signez un partenariat avec Meryl Loquette, il y a une obligation de résultat où vous êtes vraiment là pour l'accompagner et qu'il puisse être au plus haut de ses capacités? Alors, à notre niveau, donc une commune de 13 000 habitants, il n'y a pas d'obligation de résultat. Le résultat, il est déjà là. Voilà, il est déjà à un niveau exceptionnel. Donc, pour nous, c'est déjà une très grande fierté. Pour compléter ce que disait Monsieur Mazori, le soutien ne se limite pas, bien évidemment, à des finances ou à la possibilité d'utiliser nos équipements publics. C'est aussi un soutien en termes de moyens humains. On a mis à la disposition de Meryl Loquette, champion paralympique, notre service de communication pour valoriser son image. Et nous avons bien évidemment aussi utilisé notre réseau politique pour justement contacter d'autres collectivités territoriales au-dessus de nous, et je pense à la communauté urbaine à laquelle Andrésie appartient, pour essayer justement d'approfondir ce soutien. Oui, Dominique Modeste, est-ce que aussi Maëlys Laporte, pardon, devra être peut-être présente pour la ville de Plaisir aussi? On sait que Alain Bernard, quand il s'est engagé à la gendarmerie, avait des frais de représentation, des moments de représentation à faire. C'est souvent ce qui est signé avec l'armée. Est-ce que dans cette convention, il y a ceci, ou à 15 ans, vous la laissez encore évoluer dans son parcours d'athlète? Alors, pour l'instant, on la laisse évoluer, bien sûr, dans son parcours d'athlète. Parce que son parcours d'athlète se conjugue aussi avec un parcours scolaire, hein, bien évidemment, parce que les carrières d'athlète sont assez courtes et il faut aussi privilégier cette partie-là. Nous ne lui imposons rien, bien évidemment. C'est une jeune athlète qui vient d'être détectée, qui s'entraîne donc, comme je le disais, à l'INSEP. Et si, bien sûr, nos espoirs reposent sur elle, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop leur mettre la pression. Il faut quand même qu'ils vivent leur vie d'athlète tranquillement et qu'ils puissent s'entraîner dans un cadre serein. Laurent Mazori, l'avenir, c'est Paris 2024. Saint-Quentin-en-Yvelines va avoir plusieurs épreuves se dérouler, dont celle au Vélodrome National, qui est aussi le siège de la Fédération française de cyclisme. Les partenariats ne vont justement pas s'arrêter là. Vous l'avez vite fait mentionner tout à l'heure. Alors, les partenariats ne s'arrêteront pas là, et c'est surtout que les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est un magnifique élan sportif, à la fois pour évidemment les athlètes, mais avant tout, et on y est très attaché, pour nos populations. Hein, ça dépasse largement le cadre de Saint-Quentin-en-Yvelines, je pense que c'est un élan national. Mais sur le territoire des Yvelines, on a une chance d'avoir beaucoup d'épreuves. Alors, on a cette chance d'avoir effectivement à Saint-Quentin, vous avez raison de le dire, 4 épreuves, mais en réalité, je ne peux pas trop en dire plus, mais
Je pense qu'on en aura même 5. Voilà, donc même si on n'a pas le droit de le dire, je vous réserverai la surprise de la 5e épreuve qui sera vraiment encore plus populaire, si tant est que c'est possible, que les 4 autres. Parce que ce qui est important, c'est que derrière les Jeux Olympiques, il y a le sport, il y a l'aménagement du territoire, hein, puisque évidemment, c'est un investissement important en termes d'aménagement, et il y a la partie héritage. Et vous savez que la partie héritage, je crois que mes deux collègues et lui, ils sont très attachés, c'est que c'est aussi une manière de donner ensuite à l'ensemble de la population des infrastructures, un élan sportif qui permet de bénéficier à tous. Et on est très loin en cela de ce qui se passait il y a encore une quinzaine d'années, où bien souvent, on critiquait les Jeux Olympiques dans d'autres pays en disant « mais qu'est-ce qu'il en reste ?» Et il en restait souvent des équipements à l'abandon, des sports qui étaient peu pratiqués par les habitants. Paris 2024 et à Saint-Quentin et dans les Yvelines, bien, ce seront des équipements, d'abord une grosse partie existe, et ceux qui n'existent pas, je pense à la colline des Lancours, seront demain ouverts au grand public pour que tout le monde puisse pratiquer le sport à son niveau. Il n'y a pas de grand et de bas sport, tous les sports sont bons, ils doivent tous être pratiqués quel que soit son niveau. Et là, nous, les élus locaux, Monsieur Monnet, Monsieur Vastel, nous sommes là pour ça, pour faire en sorte que ce sport, cet emblème du sport, puisse bénéficier au plus grand nombre. C'est en ça que Paris 2024 sera un élan pour le futur extraordinaire, comme l'ont été probablement les Jeux Olympiques d'hiver à l'époque où ils ont lieu en France. Et vous le disiez aussi, 47 sportifs issus de 17 clubs saint-quentinois subventionnés. Est-ce que vous allez chercher à en subventionner plus pour les années à venir, sans nécessairement parler Paris 2024 ? Comme je vous l'ai dit, en réalité, nous, dans cette partie de la subvention, nous ne sommes en attente que nos sportifs, nos équipes et nos sportifs individuels progressent pour rentrer dans nos critères d'attribution de ces subventions. Et je dirais qu'à partir du moment où ils atteignent le haut niveau, ces critères sont quasiment automatiques. Se rajoute bien entendu, par contre, la sélection pour les Jeux Olympiques. Et plus nous avons de sportifs qui sont sélectionnés pour les JO, et plus, bien entendu, bien, nous rajouterons de l'assistance au niveau financier, mais également, et comme l'a dit mon collègue Lionel, bien entendu, avec des assistances concrètes du quotidien. Lionel nous a parlé il y a un instant de la communication, mais c'est par exemple du matériel, c'est par exemple de la visibilité supplémentaire, c'est de l'assistance à aller chercher d'autres sponsors, puisqu'on a cette chance à Saint-Quentin d'avoir un tissu économique exceptionnel. Eh bien, ça nous permet, lors de moments particuliers, de porter ces sportifs pour les mettre en relation avec des sponsors du monde de l'entreprise. Et tout ça, bien, c'est le rôle d'une agglomération comme Saint-Quentin-Yvelines. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des moyens financiers importants parce qu'on a une population importante et un tissu d'entreprise également très dynamique. Lionel Vast, j'imagine que vous allez continuer à suivre Meryl Loquette. Oui, alors bien sûr, on va continuer à le suivre d'une part, et d'autre part, c'est vrai que pour nous, ça a été un tremplin pour aller plus loin que ça. Nous sommes une ville labellisée Terre de Jeux 2024, et au sein enfin, grâce à ce label, en fait, on va aussi travailler sur ce qu'on doit faire, à savoir le service public. On va être une mairie qui va éduquer, qui va sensibiliser au sport et à l'handicap. On va profiter de ce sportif pour proposer une journée du handicap sur la ville. Et on a aussi conventionné avec Meryl des rencontres avec tous nos scolaires pour justement parler du sport du haut niveau et parler du handicap sportif. Donc oui, voilà, c'est pour nous un vrai tremplin. Et toutes ces actions vont perdurer jusqu'aux Jeux Olympiques à Paris. C'est la commission municipale qui va être dédiée, ce projet-là ? Oui, c'est la commission municipale qui va être dédiée à cela. Les élus y travaillent en étroite collaboration avec notre sportif de haut niveau et bien sûr en partenariat très étroit avec toutes nos écoles primaires. Dominique Modeste, à Plaisir aussi, vous pensez que cette convention va pousser peut-être les jeunes plaisirois à s'intéresser à plus de sport, à la gymnastique rythmique, on en parle presque finalement qu'au JO. Oui, alors c'est vrai. Alors, malheureusement, à Plaisir, nous n'avons pas de gymnastique rythmique parce qu'il faut être affilié à la Fédération française et puis notre club est affilié à l'UFOLEP, ce qui est un très bon niveau aussi. Hein. Mais bien sûr, de toute façon, chaque athlète qui réussit dans son sport, qui ramène des médailles, même s'il n'en ramène pas, mais s'il est bien classé, s'il se classe bien, ça amène évidemment énormément de monde, énormément d'adhérents, énormément d'adhésions dans les clubs sportifs. Nous l'avons vu cette année à la fête des associations. Tous les sports collectifs et notamment les sports collectifs de salle ont fait vraiment le plein malgré les conditions sanitaires que nous connaissons.
ils ont fait le plein parce que les résultats étaient excellents. Donc c'est vraiment, ça dynamise en fait complètement un sport. Il faut dire que les sports collectifs ont fait une belle razzia au JO de Tokyo. Je vous propose que nous nous arrêtions sur ces mots. Bien sûr, le regard est tourné vers Paris 2024 et notamment tous nos athlètes yvelinois dont on n'a pas parlé, ne serait-ce que Alex Portal, notre nageur saint-germanois. Je vous propose que ce 7-8 Société se termine sur ces propos. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien.